CFA Unique Formation. CFA Unique Formation. Bien. Alors, le prénom, c'est Rémi. 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 Voilà. Rémi. Oh, oui, monsieur. Comme éducation. Ok. Bien. Voilà. Bon, je vois Rémi. Ok. Alors, bien bonjour, Rémi. Comment ça va? Ça va très bien, vous-même? Oui, très bien. On est là. Bonjour, ça va. Mais par conséquent, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées aujourd'hui? Les difficultés qu'on a rencontrées, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. On a essayé de mettre la plus grosse balle qu'on avait, mais on n'avait pas forcément assez de mètres carrés. On a essayé de gérer sur l'eau. Du coup, il fallait mettre moins de poids, plus de poids. Donc, il fallait gérer avec la yole. Ça a été compliqué, mais on a su gérer et entrer sur la quatrième place. Quatrième place? Oui, la quatrième place. Bon, c'est bon. Quand même, oui. Donc, quand tu dis qu'il y a beaucoup de poids, c'est ça. Quand il y a trop de poids sur la yole, on essaie de mettre. Celui qui pèse le plus lourd, on le fait tomber à l'eau et on allège la yole avec un gars plus léger. Ouais, ouais, super. Eh ah bien, donc vous avez fait ça, comment quoi, vous pouvez pas? Mais, on a dû faire ça deux fois. Mais comme moi, justement, j'étais sur la gueule et on m'a fait descendre parce que j'étais quand même assez. Du coup, ben, on m'a fait tomber à l'eau et on a allégé et il n'y a plus mes. Ouais. Du coup, on a continué sur la même lancée avec le même équipage. On a fait tout le monde tomber à l'eau parce qu'on va arriver sur, tout seul sur la gueule. Voilà. Mais bon, on a su arriver quand même quatrième et ça m'a fait plaisir. Franchement, alors donc, concernant deux l'étape, donc comment vous avez fait ça? À mon avis, demain c'est dur, je pense qu'on va mettre la même vol. On va garder le même mètre carré et c'est d'assurer parce que le parcours sera long. Il faut être physique et il faut avoir du mental. Techniquement, il faudrait faire beaucoup de changements sur l'eau et il faudrait assumer. Je pense qu'on va essayer de garder notre place pour éviter d'avoir tous les kilométrages à gérer après. Donc, vous allez essayer de vous appliquer un peu pour essayer de attaquer les du tour. C'est ça, pour attaquer les bons mordants, mais nous n'avons peut-être pas assez de mètres carrés ou peut-être pas assez de gars pour gérer les mètres carrés. On va essayer d'assurer notre place et de continuer sur cette lancée-là. On va bien contrôler le si on n'est pas assez équilibré sur la yole, techniquement ça va nous faire peut-être pénaliser sur certaines choses. Faut glisser à temps, faut garder le vent, annoncer, faut très attention sur la yole, pour savoir glisser. Et depuis le départ, quelle étape qui a été plus facile pour vous? L'étape qui a été la plus facile pour nous, sans mentir, c'est cette étape-là aujourd'hui. Parce que l'étape d'hier, c'était vraiment compliqué. Il n'y avait pas de temps du tout. On avait une petite vol. Il fallait beaucoup l'assimiler. C'est super chaud. Bon, on a quand même essayé d'entrer. On était 9e. C'était pas forcément plaisant pour nous, les jeunes. Parce que nous ne sommes pas tous montés sur la gueule. Ça avait été cher à certains gars de la gueule. Je comprends, comme moi-même aussi. Mais on est quand même entré. Genre, pour les autres gars, ça va. Vous êtes à combien de jeunes? Cette yole, je ne vais pas mentir que nous sommes quand même assez nombreux. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas tous les jeunes qui montent sur la yole. Parce qu'il y a un noyau d'anciens, un groupe d'amis qui restent sur la yole, qui ne veulent pas faire tourner. Et franchement, ça nous embête un peu. Bon, je vais faire le passant pour qu'on arrive complètement, partager et faire la lumière. C'est Rémi. Bon travail. Je l'espère aussi, je vous remercie. Merci.